Nous ne pouvions pas commencer l'année 2022 sans un unboxing, et là c'est même un double unboxing. Et je me suis dit, pourquoi pas profiter du fait que Matt m'ait fait une petite ambiance, la violette comme à la maison. Il vient à la maison, je respecte sa DA, je mets les néons et tout en mode violet et tout. Hein. Honnêtement, c'est vraiment cool, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire la vidéo avec lui, parce que j'ai fait des achats un petit peu spéciaux que je sais que toi tu n'aurais jamais fait. J'ai hâte de découvrir. Et du coup, je me suis dit, bah on pouvait faire un truc où il pouvait donner son avis, ça ajoute un petit peu de vie à la chaîne, et c'est vrai que je suis souvent seul, donc du coup ça amène un petit truc. Mais voilà, avant toute chose, si vous kiffez la vidéo et les paires que je présente, n'hésitez pas à mettre un like et à me le faire savoir en commentaire, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre toute cette année 2022, et ça va être la folie je pense, honnêtement. Nouvelle année hein. Ah ça va être trop bien, nouvelle année, nouvelle DA, vous allez voir durant la vidéo, n'hésitez pas à checker un petit peu, bannière, pépé, etc. Vous allez voir. Bien évidemment, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Bonne année. Que bah, vos projets soient mis en place et que vous y arriviez. En tout cas, donnez-vous à fond. Au moins, vous n'aurez pas de regrets à la fin. Mais c'est quoi, carrément, vu que j'ai fait une transition, est-ce que tu peux me faire une transition stylée? Ce sera la seule de la chaîne. Mais est-ce que tu peux me faire une petite transition? Vas-y, de ouf. Les gars, on vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Vous connaissez la musique. Transition stylée. Ah là là. Bon, du coup, on commence avec une petite paire que je cherche depuis très longtemps. Avec justement le sigle Nike SB sur le dessus. Je vais pas te dire ce que c'est. C'est une Dunk. Mais en gros, c'est pas une Dunk. Ok, c'est pas du SB, mais c'est pas une Dunk. Et c'est une Janoski. Si je te dis Eric Coston, ça te dit quelque chose? Oui. Si je te dis... Ah, tu connais. Ah, oui, si je te dis je Eric vois. Coston avec Jordan 1, est-ce que ça te dit quelque chose? Ah non, ça. En gros, Eric Coston, il a fait 3 paires de Jordan 1 low. Ok. Et il m'en manquait une. Et c'était la plus chère. Et j'ai fini par la trouver sur Vinted à un prix vraiment très vraiment bien, honnêtement. Okay. Et du coup, j'ai la dernière du pack. La UNC. Ok. Et ça, c'est collab avec Eric Coston. Incroyable. Et justement, avant que tu donnes ton avis, je vais te montrer les petits détails qu'il y a dedans. Alors déjà, j'en parle à chaque fois que je dis que j'ai... Toi, t'aimes trop les lourds. J'ai une Jordan 1 low SB. J'en parle. Il y a une languette qui est un peu différente de d'habitude. Ok. Une semelle. Il y a une semelle, pardon. Qui est en zoom. Différente que... Et avec du zoom. Avec du zoom. Et du coup, ça, c'est très cool. Et j'en parle à chaque fois. Et à l'intérieur de la paire, il y a un petit détail que tu connaîtras pas forcément. Et en gros, en 85, quand la paire est sortie, ou 86, okay, tu vois, il y a un petit Eric Coston à l'intérieur. Il y a un petit Eric Coston à l'intérieur. Et si tu fais derrière, t'as 24,99$ et c'était le prix de la paire. Et ça m'a fait trop kiffer. Et en plus du coloris que moi je trouve. Attendez les gars, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je sais pas, au pire je mettrai dans les plans. Moi tu sais, je fais les plans. Ah ouais, tu fais les petits plans. Ouais, bah vas-y. Il y a les petits plans. Et en gros, bah du coup, c'était genre le petit détail qui me fait kiffer sur la paire, tu vois. Et honnêtement, pour moi, c'est un coloris mythique de chez Jordan, parce que le UNC par rapport à sa première fac, etc. Et là, il y a eu une petite collab avec les deux trucs. Et j'ai trouvé ça très très cool. Alors le seul petit bémol que je peux donner, mais c'est en rapport avec la DA que nous fait Eric Coston, le swoosh est plus petit. Ouais, c'est un swoosh plus petit, je sais, toi t'aimes bien. Mais c'est lui qui a ramené ça. C'est lui qui a ramené le petit swoosh et qui l'a fait. Du coup, bah maintenant j'ai les trois. J'ai la désert, je sais plus quoi, désert ocre. La plus belle, la Midnight Navy, c'est avec le petit Jumpman. Ouais, ouais. Et puis j'ai celle-là, donc j'ai le pack entier. Et puis je voulais une paire UNC et honnêtement, je suis très content de l'avoir. Voilà, t'en penses quoi toi? Alors, déjà, moi, les couleurs UNC, j'aime bien. Après, j'avais déjà dit dans une vidéo que moi, tu vois, tout ce qui est couleur, tu sais, qui peuvent faire penser à université, etc. Mm-hmm. Au bout d'un moment, c'est du revu et revu, mais ça, c'est parce qu'on a mangé des Dunks toute l'année que j'ai dit ça. Mais franchement, je trouve qu'elle est cool. Moi, j'aime bien, c'est des petits détails, mais tu vois juste qu'il y a marqué Nike SB sur une Jordan 1. Ouais, ouais. Bah, ça, je trouve ça grave cool. Et puis, non, franchement, c'est cool. Et toi, en plus, ça te va bien. T'es le pro des lots. C'est YouTuber Jordan Low. Je devais faire une vidéo. La première vidéo de l'année doit être sur la Jordan 1. Franchement, elle est cool. Elle est cool, et honnêtement, il y a eu des coloris UNC qui sont sortis sur la Low et qui sont pas ouf, tu vois, c'est sur la Fat Low avec la grosse languette. Et là je suis très content de l'avoir, en plus c'est la collab et ça vient remplir le pack, tu vois, donc je suis très content de l'avoir. Franchement, je kiffe. De toute façon, en fin de vidéo il y aura les on fit comme d'habitude pour que vous voyez comment je la porte. Je vais pas le faire ici parce que j'ai pas envie de me mettre en slip chez Matt, j'ai un peu peur, hein, je vais pas vous mentir. Ah, voilà. Si se met en slip les gars, il part pas tout de suite, hein. Voilà, je suis très content, mais la Discord ne va pas se faire sur cette paire là elle va faire sur celle juste après. Ah ouais, ouais. Tu penses que je vais pas être Ah, tu vas pas aimer. Donc, petit colis que j'ai été chercher ce matin à mon point relais UPS. Je te laisse sortir ton kunai et de... Ouvre la boîte. Le kunai des familles, les amis. Par contre, je sais pas par où tu peux l'ouvrir. Oh, t'inquiète. Là-haut. Vas-y, là-haut. Let's go. Vas-y, Matt, fais-toi plaisir. Arrache-toi.
Et au moins, et là, le mec, déjà, tu peux lui mettre un commentaire. Gros, c'était il a bien abonné. Emballé ça. Ah, c'était une abonnée. Ouais, elle m'a dit, je regarde tes vidéos, incroyable. Mais elle fait du 11, ton abonné? Non, elle revend. Ah revend ouais. Elle, elle s'est séparée de son mec, elle lui a volé 2-3 paires, mec, et elle est en train de tout revendre. Big up à toi. Et voilà. Ok. Attends. Donc, du coup, on tombe sur une petite Jordan One Low, encore une fois, avec une spéciale box qui est très très cool. Alors, vous allez voir la paire, on va en parler, mais moi, je sais pas si je l'aime honnêtement. Voilà. Pour faire le tour de la boîte, on a un couvercle rouge avec bah, justement ce qu'on peut retrouver un peu sur la Fragment. Ce qu'on peut retrouver sur la Fragment et là à ma manière. Et sur le dessus, si tu veux montrer, on a le logo bah, justement de Soulfly. Yes. Alors je sais pas si on le verra très bien. Là on le voit un petit peu mieux, tu vois. Il y a le logo Soulfly qui a été mis dessus et franchement c'est très très cool. Donc on va enlever ça. Et déjà on peut voir bah, tous les petits détails. Et ça j'aime bien, tu vois. Genre quand on nous fait une collab, la boîte elle est belle. J'aime avec une boîte un petit peu différente. Malheureusement. Alors moi je peux dire un truc avant. Vas-y. Moi je trouve que déjà la boîte où elle est belle. Mais genre moi cette paire là. Elle est horrible. Non mais pour moi elle est horrible. On va en débattre parce que j'avais envie de la voir. Pour moi c'est un des flops de l'année, tu vois. Ah bah carrément. Clairement. Donc on enlève le premier papier. On va en débattre juste après. Ok, ok. On tombe sur un papier spécial en tigré. Par contre là ils ont fait grave le taf. C'est stylé de ouf. La boîte, la box, le couvercle. Et je vais le faire comme sur ma chaîne habituellement. C'est lourd. On enlève le premier papier et on tombe donc sur la Jordan One. L'eau en collaboration avec Soulfly. Du coup, nous sommes en possession de la Jordan One Low Soulfly. C'est la première fois que je l'ouvre. J'ai pas triché. Je voulais pas l'avoir. Donc, sans du le coup, 9, c'est legit, les gars. Donc, du coup, c'est la dernière collab sur la Jordan One Low qui est sortie de cette année. Je suis très content. Par rapport à celle de tout à l'heure, on peut déjà faire un petit détail dessus. On a le retour du gros swoosh juste ici en daim qui est très très cool. Et à l'intérieur, on a de la peau de. C'est quoi de la peau de quoi? Là, regarde sur le swoosh à l'intérieur. Ah, c'est comme, tu sais, la Undefeated là. C'est du poil. Je sais pas trop ce que c'est. Et après, tout le reste de la paire est en daim. Alors, on a ce qui est très cool, la gum sole juste en dessous. La midsole est justement faite en noir. Et ça, je suis pas très fan. Je vais pas te mentir. Genre, les midsole en noir, c'est pas forcément très beau. Et on a ce motif, justement, sur toute la paire avec bah, ce genre de tigré sur l'avant et l'arrière. Alors, je sais que c'est une inspiration d'une certaine paire que je mettrai en incrustation parce que j'ai pas le nom actuellement. Je voulais l'avoir parce que je veux présenter la plupart des Jordan One Low sur ma chaîne. Ouais, normal. Mais donne-moi ton avis et après, je te donne le mien. Alors, moi, mon avis, il est vraiment simple. Moi, je l'inscris pour moi dans les flops de l'année sur Jordan. Je trouve que c'est une collaboration qui est loupée, malheureusement, même si je trouve que le taf de Soulfly est cool et fait. Je vais dire mes points positifs. Mes points positifs, c'est que la paire, elle est ultra travaillée. Ouais, vraiment, même la regarde, ultra travaillée. À l'arrière, là, on a le Jumpman, le Wings logo, et de l'autre côté, on a le Soulfly. Ça, c'est le truc mais hyper c'est ça. Cool. Tu vois. Mais même, regarde, là, t'as un daim un peu plus épais. Ici, t'as cette matière, là, la fameuse matière imprimée sur un e-book plastifié, on a le poil ici, on a encore un autre daim d'une autre couleur. En fait, les matériaux utilisés pour la paire, ça équivaut à du premium sur soit de la premium de Dunk ou de la premium Jordan Low. Moi, ce que j'aime pas, c'est l'association de couleurs et le rendu final en fait. Moi, c'est le rendu final que j'aime pas. Alors, je t'ai dit, il y a une inspiration d'une paire. Je pourrais pas te dire, c'est un truc qui était déjà sorti. Moi, ça me fait grave penser à du Tarantino, la paire. Ah ouais, je vois. J'aime bien les films, mais voilà. Mais enfin, de toute façon, je porterai pas quoi. Je vais porter la paire et je le mettrai dans les plans à la fin en vidéo. Mais je vais le faire tout de suite. Comme ça, tu vas voir ce que ça donne sur moi. Et tu vas dire comme ce que ça, moi je leur dis. Parce que là, j'ai mis une tenue qui peut passer. Ouais, avec. Ça peut passer cool. Ça peut passer avec. Donc attends, je vais la mettre au pied. Mais en fait, c'est juste le rendu final. Mais sinon, le taf, il est fait. Hein. Le taf, il est fait. La semelle, elle est cool. Il y a les extra lacis. Il y a la spécial box. Franchement, genre, c'est pas mal. La paire est travaillée. Tu sais quoi? Je vais sortir du champ. Yes. Tu vas me regarder et tu vas me donner ton avis en direct. Ça. Franchement, en fait, ça passe, mais. Tu vois, peut-être que j'aurais mis le souche d'une autre couleur. Et moi, ce qui me dérange vraiment, c'est le. Tu vois, vous voyez le devant du upper en le rouge. Toe box. Ouais, le toe box en rouge. Mais franchement, tu sais quoi? Moi, tu mets le souche en beige. Tu mets le souche en beige et tu changes la couleur du toe box. Bah, franchement, je pense que ça peut et être. Et tu mets cool. La midsole en blanche. Je pense qu'elle peut être très très cool. Perra custom, hein, peut-être. Hein. Ça se trouve. Changer peut-être une couleur. Peut-être perra custom avec du blanc et tout. Mais je pense que la tenue que je vais vous montrer juste après va vous plaire. Parce bien que c'est la même que j'ai aujourd'hui. Donc je vais la remettre et ça va être très cool. Mais c'est vrai que c'est quand même une déception quand on connaît Soulfly qui avait fait une shatterback board un petit peu. C'est pour ça, gros. C'est pour ça que quand moi. C'est dommage. Quand moi, ils reviennent pour faire une collab, tu vois, je m'attends à ce qu'ils ont fait avant. C'est un peu dommage, mais voilà. Je voulais quand même la présenter. Je suis très content de la voir. Et même elle rentre dans la collection Jordan. Ça c'est sûr. Jordan One Low, tu vois. Ça c'est sûr. Donc du coup, tiens. Et après c'est subjectif. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Perso, ça je valide à 200%. Ouais. Tu vois là, c'est la différence entre les coloris mythiques. C'est du Jordan tout craché. Tu mets du coloris mythique, t'es sûr ça va marcher, que c'est bon. Et là en plus la collab elle est vraiment cool. Alors c'est vrai que c'est plus facile à mettre, c'est plus été. Mais ça je te jure que ma tenue que j'ai aujourd'hui, moi je trouve que ça passe. Mais ça passe. Mais c'est vrai que c'est dommage. Genre, mais je pense que c'est une paire qui dit
divise. Soit tu l'aimes bien, soit tu la détestes. Ouais, y a pas de tu l'aimes ou tu l'aimes. C'est clivant, tu vois, c'est les gens d'hyper clivant, ça. J'ai dû mettre une petite pause dans la vidéo parce que j'ai oublié de le dire, mais on se retrouve tout de suite pour le OnFit. Mais en tout cas, voilà, je suis très content d'avoir fait ça avec toi. Je trouvais plutôt intéressant de faire une petite vidéo sur la Jordan 1 Low. En plus, la première de l'année avec moi, c'est cool. Ouais, c'est important. C'est important de voyez des gens qu'on aime et on se donne de la force mutuellement. C'est ça. Mais voilà, je suis très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, soit de la UNC d'Eric Coston ou de la Soulfly qui est sortie récemment. Et pour donner les cotes, je crois que là, on est au-dessus des 400 euros. Yes. Moi, je l'ai payé un peu moins cher que ça. Et ça, on est pas plus de 250 euros. Okay. Donc, on va dire pour une Jordan 1 Low, c'est pas. Si on la kiffe, tu vois, c'est cool. Ouais, on la kiffe, c'est abordable. C'est cool. C'est rare que ça soit abordable. Et puis moi, comme je dis tout le temps, plus il y a Jordan 1 Low, plus je suis content. Parce que plus il y a Jordan 1 Low, plus il y a de gens qui s'y intéressent, plus Nike se dit « Ah, on va peut-être en refaire ». Donc du coup, moi je suis content. On va espérer que Travis il puisse sortir ses collaborations parce que moi je les attends énormément. Bref. Et j'ai hâte de voir ce que va nous faire Jordan cette année avec la Jordan 1 Low parce qu'ils en ont mis beaucoup. Il y en a pas mal que j'aimerais voir ressortir, genre la Chicago, la Brest, la Royale cool, et tout. Une petite Chicago, ça serait cool. Hein. Mais bon, on verra. N'hésitez pas vous à nous dire ce que vous pensez soit de la Soulfly, soit de la UNC. Ça serait vraiment intéressant. Grave. Parler. Moi, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. Et puis, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à me le dire en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Encore merci à Matt d'être venu sur la chaîne. Merci à toi. Donc, du coup, peut-être que si vous allez sur sa chaîne dimanche, vous allez peut-être me voir. Je n'en dis pas plus. Ouais, vous allez voir. Petite apparition, vous allez voir. Il y a peut-être des easter eggs qui sont cachés dans cette vidéo. De toute façon, on ne dit rien. Voilà. On ne dit rien. Et vous allez voir sur sa chaîne dimanche. Tous les liens de sa chaîne sont en description. N'hésitez pas à donner de la force. Il a 12 000 abonnés, un peu plus que moi, mais vous inquiétez pas, il va tout péter cette année. Et puis, moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.